Talentis est né il y a 15 ans de la forte conviction que le coaching allait devenir un véritable outil de développement et de transformation des organisations. Talentis, c'est une société qui vous permet de proposer à vos dirigeants et vos managers un très haut niveau de qualité en termes de prestations de services de coaching. Fort du constat qu'il existe de très nombreux coachs indépendants un peu partout dans tous les territoires, en France, en Europe et aux États-Unis, vous nous avez dit, vous, grandes organisations, qu'il vous manquait de véritables entreprises qui vous proposent des équipes de coachs au niveau international, qui sachent construire avec vous des programmes sur mesure répondant à vos enjeux et qui est une équipe de gestionnaires de projets dédiée à la réussite de vos programmes. Depuis 15 ans que nous travaillons avec des grands groupes sur des programmes de leadership development, d'accompagnement d'équipe, de coaching individuel, nous avons vu à quel point le leadership s'est littéralement transformé. Très franchement, être un leader aujourd'hui, c'est très compliqué. Être un manager, à l'époque, c'était plutôt simple. Contrôler, organiser, structurer, déléguer, pouvait s'apprendre. Le leader aujourd'hui, celui qui va vraiment faire la différence dans l'entreprise, il a des challenges qui sont extrêmement complexes. La première chose, c'est qu'il est devant une situation où il doit accélérer le potentiel d'innovation de ses équipes. Pour ça, il doit générer des dialogues, il doit ouvrir ses équipes à l'extérieur, il doit les pousser à sortir de leur zone de confort, vraiment faire en sorte que la coopération inter-service et interdivision soit fluide. Le deuxième challenge qu'il a, c'est qu'il est devant des collaborateurs qui sont très attirés par les startups, qui sont très attirés par l'entrepreneuriat. Et lui, leader, manager d'un grand groupe, il se dit « Quelles sont les clés que j'ai pour laisser mes collaborateurs dans la passion, dans l'enthousiasme, dans le plaisir de travailler ensemble ?» Sacré challenge. Et puis, il est envahi d'informations. Il est en permanence sous le coup des mails, des coups de téléphone, etc. Et comment il garde ce focus ? Comment il travaille sur la gestion de ses priorités, la gestion de son stress et de son énergie. Eh bien, tous ces challenges chez Talentis et cette façon dont le leadership s'est transformé, nous les accompagnons avec challenge et bienveillance, comme nous disions tout à l'heure, mais aussi avec la vraie curiosité de pouvoir donner au leader les clés dont il a besoin pour être le leader for tomorrow, adapté à cette entreprise qui ne sera plus la même demain. Alors, je recommanderais à mes clients, et je recommande régulièrement à mes clients de choisir les coachs Talentis, parce que ils sont tous sélectionnés avec le plus grand soin. Nous consacrons énormément de temps au recrutement de notre équipe de coachs en France et à l'international. Et nous suivons un certain nombre de critères que nous regardons avec attention. Le premier critère, c'est l'expérience professionnelle que le coach a eue avant de se tourner vers ce métier. Pour nous, c'est fondamental. Tous les coachs Talentis bénéficient d'une expérience de minimum 12 ans, plutôt 15 ans, en tant que business leader ou business manager, voire dirigeant dans des grands groupes français ou internationaux ou dans des grands cabinets de conseil. Pour nous, il est fondamental qu'un coach qui accompagne un dirigeant, un leader, un manager aujourd'hui et une bonne compréhension des enjeux de l'organisation. Le deuxième critère, c'est la formation de coach. La formation de coach, c'est quoi? C'est d'être formé dans une école française ou internationale qui soit reconnue sur le marché, qui propose des parcours suffisamment solides dans la durée avec un travail de développement personnel en parallèle. Mais pour nous, c'est pas suffisant. C'est-à-dire que les coachs qui rejoignent la communauté des Talentis ne sont pas seulement certifiés d'une grande école de coaching reconnue, mais ils sont également formés dans des champs théoriques que l'on leur suggère et qui vont approfondir tout au long de leur carrière de coach. Et pour nous, ça, c'est fondamental. Alors, les champs théoriques sont laissés, en fait, au libre choix du coach. Ça peut être l'analyse transactionnelle, la PNL, la Gestalt, mais pour nous, c'est fondamental. D'ailleurs, ils ont tous un engagement de se former 5 à 10 jours par an, tous les ans. Et le dernier critère, c'est aussi la posture que les coachs Talentis vont avoir. Et notre vision chez Talentis, c'est que le coach doit être à la fois bienveillant, mais exigeant. Et il doit faire preuve de drive pour accompagner au mieux le dirigeant ou le leader dans le développement de ses compétences. Il est vraiment important d'avoir cette sensibilité et toujours s'ajuster, manier le curseur entre bienveillance
et excellence. Et ça demande un fort niveau d'expérience. Et c'est pour cette raison-là que chez Talentis, les coachs que nous recrutons ont minimum 4 ans d'expérience dans leur métier de coach. Ce que nos clients apprécient particulièrement en travaillant avec nous, c'est notre faculté à s'imprégner de leur culture, à développer une compréhension fine de leurs enjeux pour pouvoir construire des programmes sur mesure, je dirais presque haute couture, avec eux dans une logique de co-construction et de partenariat. Chez Talentis, nous avons la conviction que tout comme l'entreprise se transforme et le leadership se transforme, le coaching doit en permanence s'adapter aux besoins des talents, des managers et des dirigeants, dans sa forme et dans le service qu'il apporte. C'est la raison pour laquelle nous avons récemment développé la solution Click & Coach, une plateforme d'exécutif coaching en ligne qui permet à tous vos talents d'accéder extrêmement facilement au coach Talentis en ayant accès à leurs agendas, en choisissant leur coach. Une solution qui permet d'être coaché anywhere, anytime. Nous nous tenons à votre disposition pour vous faire découvrir l'ensemble de nos offres et vous disons à très bientôt.